Bienvenue au MUDO, Musée départemental de l'Oise. L'auteur de ce tableau est Henri Le Sidaner, un peintre que l'on peut rattacher au mouvement post-impressionniste. À 18 ans, il part étudier à Paris et y découvre les évolutions récentes de la peinture, notamment l'impressionnisme, mais aussi l'œuvre d'Édouard Manet. Quelle est la particularité de cette toile ? Ce tableau, peint en 1900, représente le transept sud de la cathédrale Saint-Pierre de Beauvais. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que le peintre a retouché son tableau. Le 27 août 1900, il remet cette toile à son marchand, mais en 1905, il décide de la reprendre pour y ajouter des éléments pittoresques destinés à donner un accent de campagne à la rue. Il repeint l'effet lumineux sur la cathédrale, superposant les teintes pour obtenir ce ruissellement lumineux et vibrant, et il ajoute la vigne vierge courant sur le mur, mais aussi les pavés et la petite lucarne sur le toit de la maison de droite. Ces annotations charmantes étaient très appréciées dans le village de Gerberoy, dans l'Oise, où Le Sidaner habitait à la belle saison depuis 1901.